C'est un grand privilège pour moi d'être ici avec vous. Un grand privilège. Même si je dois dire que je me sens un peu comme dans cette histoire que j'ai entendue sur John Wesley. Il avait prêché dans tout le pays et tandis qu'il méditait la parole de Dieu sur son cheval, il a réalisé que durant les 3 derniers jours, personne n'avait persécuté. Personne n'avait poursuivi, personne n'avait maudit, personne n'avait essayé de lui jeter des pierres. Alors il est descendu de son cheval et s'est mis à prier en disant, « Seigneur, suis-je devenu un homme charnel? Mon message est-il devenu si mondain que plus personne ne me persécute ?» Et tandis qu'il était en train de prier, un fermier qui le haïssait l'a vu prier. Il a pris une brique et la lui a jetée, lui a presque cassé le nez. Et Wesley a loué Dieu en disant, « Merci Seigneur, car maintenant je sais que tu as confirmé ta faveur à mon égard. » Donc quand vous vous levez et que les gens applaudissent, ça fait un peu peur. On doit réaliser que la chrétienté ne sera jamais l'ami de ce monde. La chrétienté brandit la seule arme de salut à ce monde. Ils ne seront jamais amis. La foi chrétienne ne passera jamais, tandis que les hommes et le monde passeront. Ce soir, tandis que je regarde cette assemblée, je réalise que je manque d'aide et d'espoir. Il y a tant de besoins ici ce soir. Que même si 1000 sermons étaient prêchés, je supposerais qu'avec le pouvoir de l'homme, ce ne serait pas assez pour enseigner à toutes les personnes ici ce soir. C'est la raison pour laquelle un prédicateur, lorsqu'il prêche, est placé sous la miséricorde de Dieu. Chaque fois que vous vous placez devant un groupe de personnes pour enseigner, vous êtes comme Ézéchiel, placé devant une vallée d'ossements desséchés. Et vous savez que personne ne vivra à moins que l'Esprit de Dieu agisse dans le cœur des hommes. Donc ce soir, que vais-je faire? Eh bien, je vais faire ce que j'ai l'habitude de faire lorsque je n'ai qu'une occasion de prêcher à un groupe de personnes. Je vais prêcher l'Évangile. Je vais mettre à votre disposition l'Évangile de Jésus-Christ. Et beaucoup diront, mais pourquoi? On sait déjà tout ça. Non, vous ne savez pas. Vous connaissez des formules comme les 4 lois spirituelles, vous connaissez les 5 choses que Dieu veut que vous sachiez. Vous savez comment conduire les gens à prendre une décision pour Christ et comment confirmer leur salut, même si Dieu est à des années-lumière de ce que vous faites. Mais vous n'en savez probablement pas tant sur l'Évangile. Le plus grand besoin aujourd'hui dans nos assemblées, c'est d'apprendre l'Évangile de Jésus-Christ. Parce qu'en sondant simplement les prédications et les techniques d'évangélisation, les méthodes pour la croissance des églises et tout ce que je peux voir, je ne peux en arriver qu'à une seule conclusion. On ne connaît pas l'Évangile de Jésus-Christ. Regardez ce qu'on a fait. On va vers un homme et on lui dit ceci. Sais-tu que tu es un pécheur? Et s'il dit oui, alors on va à l'autre question. Voudrais-tu aller au paradis? Et s'il dit oui, on va à la prochaine question. Veux-tu prier et demander à Jésus-Christ de venir dans ton cœur? S'il dit oui, et fait cette prière, on lui demande s'il a été sincère. Et s'il dit oui, on le déclare né de nouveau. Ça, ce n'est pas l'Évangile de Jésus-Christ. Et cette méthode d'évangélisation a fait plus de dégâts dans ce pays que n'importe quelle autre hérésie introduite par n'importe quel culte rassemblé. Des millions de personnes dans ce pays dont les vies n'ont jamais été changées se pensent nées de nouveau parce qu'on a tellement réduit l'Évangile de Jésus-Christ que ça ne veut plus rien dire de plus aujourd'hui qu'une simple décision qui ne prendra que 5 minutes de votre temps. Arrêtons-nous dessus pour un moment. Sais-tu que tu es un pécheur? Si la personne dit oui, qu'est-ce que cela veut dire? Absolument rien. La question n'est pas, sais-tu que tu es un pécheur?
La question est la suivante. Depuis que tu as entendu l'évangile qui t'a été prêché, Dieu a-t-il travaillé dans ton cœur au point que le péché que tu aimais hier, tu l'as en horreur aujourd'hui? C'est la question. La question n'est pas, veux-tu aller au ciel? Tout le monde veut y aller. Ils ne veulent juste pas que Dieu y soit lorsqu'ils y arriveront. C'est autour de cela que les théories politiques tournent. C'est pour cela qu'on a des élections. Tout le monde veut un endroit agréable dans lequel vivre. Donc la question n'est pas, veux-tu aller au ciel? La question c'est, depuis que l'évangile t'a été prêché, est-ce que Dieu, le Dieu Tout-Puissant, a fait une œuvre surnaturelle, si puissante, que le Dieu que tu haïssais autrefois, que tu ignorais, tu l'aimes désormais, tu l'estimes digne de toute chose? Et ensuite, voudrais-tu faire une prière et demander à Jésus-Christ de venir dans ton cœur? Vous aurez du mal à trouver un tel exemple dans le Nouveau Testament. Vous direz non, mais la parole dit, reçois-le dans ton cœur. Pensez-vous vraiment que lorsque la Bible dit de recevoir Jésus dans son cœur, cela veut dire qu'il faut murmurer quelques statuts évangéliques? Quand la Bible dit de recevoir Christ, c'est au travers de la repentance et de la foi. Ça ne fait pas de Dieu une espèce d'accessoire dans votre vie. Ça fait plutôt de lui la substance véritable de toute votre vie. Christ n'est pas juste quelque chose dans votre vie qui la rend meilleure. Christ est votre vie. Christ est votre vie. Jésus n'est pas venu. On ne dit pas dans le livre de Marc que le temps est arrivé, le royaume de Dieu s'est approché. Et maintenant, qui voudrait prier et demander à Jésus de venir dans son cœur? Il a plutôt dit, répentez-vous et croyez à l'évangile. Et n'oubliez pas, dans tous les enseignements de l'Ancien et du Nouveau Testament, la repentance est la preuve par les fruits, la preuve par la façon dont la personne vit. La plupart des gens se pensent sauvés parce qu'ils ont confiance en la sincérité de la décision qu'ils ont prise de suivre Christ. Non pas dans l'œuvre de Dieu ni dans sa puissance de salut. Es-tu sauvé? Oui. Comment tu le sais? Eh bien, il y a 3 ans, j'ai fait une prière pour demander à Jésus de venir dans mon cœur. Vraiment. Et combien d'autres ont fait cela? La preuve du salut. La preuve de la repentance. La preuve de la foi. C'est un changement. Une vie qui change. Comment sais-tu que tu t'es repenti à salut il y a quelques années? Parce que tu continues de te repentir aujourd'hui. Comment sais-tu que tu as cru au salut il y a quelques années? Parce que tu continues d'y croire aujourd'hui. Comment sais-tu que Dieu a eu une rencontre avec toi des années en arrière? Parce qu'il continue d'avoir une rencontre avec toi au travers de la sanctification. Il n'a pas seulement changé ta vie, il continue de la changer. Mais l'évangile que l'on prêche aujourd'hui est un rituel. Oui, certaines personnes sont sauvées, mais pas grâce à nos prédications, plutôt en dépit de nos prédications. Dieu continue d'œuvrer, même si nous ne connaissons pas l'évangile. Dieu continue d'œuvrer, même si nous ne connaissons pas l'évangile. Allons dans le livre de Romains, chapitre 3, à partir du verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné, par son sang, à être pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant. Au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi.
Spurgeon, Martin Lewis Jones et les autres, considérez ce texte comme le résumé de la foi chrétienne. La ville fortifiée, la ville située sur une montagne. Beaucoup de théologiens ont dit que s'ils devaient perdre toute la Bible et ne pouvaient garder qu'un seul texte, ce serait celui-là. Parce que dans ce texte, il y a une portion, un fragment, une semence de l'Évangile. Bien qu'il y ait ici assez de matière pour nous faire étudier pour l'éternité, pourquoi est-ce que je dis une semence, un fragment de l'Évangile? Laissez-moi partager quelque chose de très très important avant que nous commencions notre prédication. Aujourd'hui, beaucoup s'intéressent énormément à la seconde venue de Christ. Tout le monde veut savoir tous les détails sur la seconde venue. Vous comprendrez tout de sa seconde venue le jour où elle aura lieu. Le jour où Jésus reviendra, vous comprendrez tout sur la manière dont il va le faire. Et quand il va revenir, quel sera le signe précis le menant à revenir? Donc vous saurez tout sur son retour lorsqu'il reviendra. Mais vous passerez l'éternité au ciel sans même commencer à comprendre l'évangile de Jésus-Christ. Ce n'est pas un message parmi tant d'autres. C'est le message des Écritures et le message de la chrétienté. Mais le problème, c'est que ce n'est plus le message que l'on prêche en Amérique. Et je peux vous le prouver. Allez dans toutes ces librairies chrétiennes. Si on devait repenser à ce que l'on prêchait il y a 200, 300 ans, on verrait que le langage de la chrétienté tournait autour de l'Évangile. Les livres qui étaient écrits par les Spurgeon, les Puritains, les Edwards, traitaient de ce qu'est l'Évangile. Comment comprendre l'Évangile? Comment enseigner l'Évangile? Qu'est-ce que la véritable conversion? Comment savoir qu'une personne est réellement née de nouveau? Mais allez dans vos librairies chrétiennes aujourd'hui, essayez de trouver un livre parlant de ces choses, vous ne trouverez rien. C'est juste rempli de formules, comment ceci, les cinq étapes de cela. Il y a beaucoup à faire aujourd'hui pour ce qui concerne le discipola, et je crois que nous devons enseigner ce que c'est que d'être disciple. Mais j'entends beaucoup de gens dire, on a tant de personnes qui viennent par la porte d'entrée de nos assemblées, mais dès qu'elles arrivent, elles repartent par la porte arrière. Et la raison pour laquelle elles repartent, c'est qu'on ne leur a pas enseigné le discipola. Ceci n'est pas vrai. La raison pour laquelle elles ne restent pas, c'est qu'elles ne sont jamais nées de nouveau. On a obtenu de ces personnes qu'elles prennent une décision. On a obtenu d'elles qu'elles lèvent leurs mains, mais leurs vies n'ont jamais changé. Devons-nous enseigner ce que c'est que d'être disciple? Oui, nous le devons. Mais quand Dieu sauve un homme, ce qu'il a commencé en lui, il l'achève. Pourquoi y a-t-il si peu de puissance aujourd'hui? Parce qu'on ne connaît pas l'Évangile, on ne s'intéresse pas aux véritables conversions. Parce qu'on ne priorise pas les choses importantes. On a remplacé tout cela. Le souci principal aujourd'hui, c'est le bon usage des médias dans les cultes. La meilleure façon de chanter selon les humeurs. Le prédicateur qui flash, qui nous dit tout ce qu'on veut entendre pour qu'on puisse avoir notre meilleure vie maintenant, parce que de toute façon, c'est ce qu'on veut réellement. Plus que Dieu. Il n'y a pas de puissance parce que l'Évangile est parti. Si vous ramenez le véritable Évangile, vous verrez la puissance de Dieu se manifester dans la vie des hommes, des femmes et des enfants. Le simple Évangile. Regardons notre texte. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On ne comprend pas pleinement ce que cela veut dire. Parce que si c'était le cas, soit vous trembleriez de terreur parce que vous comprendriez que quelque chose ne va pas avec vous. Ou vous vous réjouiriez au plus haut point en voyant ce dont Dieu vous a sauvé. Tous ont péché
Pourquoi cela ne nous fait pas réagir? Parce qu'on ne comprend pas la nature innée du péché. Et pourquoi ne comprenons-nous pas la nature innée du péché? Parce qu'on ne sait pas qui est Dieu. On ne connaît pas Dieu. Je suis étonné lorsque je voyage dans ce pays et parle aux responsables des séminaires, d'études bibliques. Je leur demande, combien de semestres passez-vous à étudier les bases du christianisme? Simplement sur Dieu. Oh, on couvre ça en un mois. Combien de prédications aujourd'hui tournent-elles autour de Dieu? Même si je faisais un examen ce soir, je vous donne un morceau de papier et je vous demande d'écrire sur Dieu, écrire sur l'historique, le théologique. Écrivez pour moi une liste des caractéristiques et attributs de Dieu et donnez-moi une explication biblique de Dieu. Le peuple de Dieu périt par manque de connaissances. Dans tout ce qu'on a, dans tous ces livres, dans toutes ces librairies, dans toutes ces vidéos, dans toutes ces conférences, est-ce que quelqu'un parle simplement de Dieu? De qui il est? Et c'est la raison pour laquelle le dimanche matin est le moment le plus idolâtre de toute la semaine. Pourquoi? Parce que la plupart de ceux qui adorent Dieu adorent un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Ils adorent un Dieu qui ressemble plus au Père Noël qu'au Dieu des Écritures. Ils adorent un Dieu qui est un pur produit de leur imagination. Ils ont créé un Dieu dans leur propre manquement. Ils adorent un Dieu qu'ils ont créé. Pourquoi cela? À cause du pupitre. Sur le pupitre. On ne fait pas ce qu'on est censé faire. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Enseigner les hommes à propos de Dieu. Afin qu'ils puissent savoir, à la lumière de sa révélation, où ils se trouvent et de quoi ils ont besoin. Tous ont péché. Cela nous parle d'un manque de conformité à la loi de Dieu. Une déviation de la loi de Dieu, de sa volonté. Un détour face au caractère manifeste de Dieu. Imaginez ça pour un moment. Dieu se tient devant toute la création. Et il dit, étoile, placez-vous à l'endroit que j'ai délimité pour vous. Et toutes les étoiles de la création se prosternent et disent Amen. Planète, mettez-vous dans les cercles que j'ai tracés pour vous. Et restez-y jusqu'à ce que je vous donne un autre ordre. Bougez exactement comme je vous l'ai commandé. Et elles se prosternent en adoration. Et il dit aux montagnes de s'élever et aux vallées de disparaître. Et ces choses s'humilient devant lui. Il dit à la mer de venir de tel point à un autre, s'en dépasser, et la mer obéit. Mais il regarde l'homme. Il te regarde. Il dit, viens. Et tu dis, non. Dans chaque débat, dans chaque dialogue à l'université, le problème avec l'enfer, dans la pensée des hommes, c'est que cela dure éternellement. Comment une punition peut-elle être, peut-elle durer pour toujours? Comment une punition infinie peut-elle être mise sur l'homme? Parce qu'ils ont péché contre un Dieu infiniment digne. Le crime est puni d'une telle sévérité, parce que c'est un crime sévère. C'est un crime sévère à cause de celui contre lequel il est dirigé. Le Dieu de gloire. Et si l'homme ne comprend pas l'infinie valeur de ce Dieu, il ne peut pas non plus comprendre la terrible nature de son péché.
J'ai entendu un prédicateur dire, nous ne prêchons pas sur le péché dans notre assemblée. Et je peux lui dire que le Saint-Esprit de Dieu n'est pas vraiment à l'œuvre dans cette église ni dans ce ministère. Pourquoi? Parce que l'une des choses principales que le Saint-Esprit fait, c'est de convaincre le monde de péché. Donc si vous ne parlez pas vraiment du péché, alors comprenez que le Saint-Esprit n'est pas vraiment dans votre ministère. Mais qu'est-ce que ça veut dire, dire péché? Ça ne veut rien dire. On vit dans un pays qui consomme le péché comme si c'était de l'eau. Les poissons ne savent pas qu'ils sont mouillés. De la même manière que les hommes ne savent pas ce que cela veut dire de pécher contre Dieu. Et pour cette raison principale, écoutez-moi, vous qui allez être prédicateur un jour, on ne doit pas être désagréable. On ne doit pas chercher sciemment à blesser les gens, à les briser. Mais sachez ceci, si vous voulez répandre la bonne nouvelle, vous devez parler du péché. Vous devez exposer le péché, vous devez le définir, vous devez expliquer cela en détail pour que la parole de Dieu déracine cela du cœur des hommes. Je peux appuyer ce que je dis. Il n'y a pas de théologie systématique dans la parole pour cela, mais le meilleur moyen de l'illustrer, c'est d'aller dans le livre de Romains. Et si vous lisez, vous verrez que le grand apôtre Paul, dans les trois premiers chapitres, il fait tout ce qu'il peut pour une seule chose. Condamner le monde entier. C'est ce qu'il a fait. Regardez avec moi au chapitre 3, verset 19. « Or nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que le monde soit reconnu coupable devant Dieu, le monde entier. » Les hommes doivent entendre des prédications qui parlent de la réalité de ces problèmes, qu'ils ne sont pas compris et qu'ils ne peuvent pas contourner. J'utilise souvent cette illustration. Si je devais agiter des clés devant un micro ce soir, cela ne vous rendrait probablement pas content. Cela ne vous remplirait pas de joie. Et pourquoi? Parce que vous n'êtes pas enfermé dans un donjon pour être exécuté. Mais si vous étiez enfermé dans un donjon, sachant qu'une sentence de mort plane au-dessus de votre tête, alors le son de clé apporterait de la joie à votre cœur. Je vous soumets le fait que les hommes ne peuvent pas apprécier l'Évangile à cause de la façon dont nous le prêchons. Laissez-moi vous demander quelque chose. À midi aujourd'hui, où est-ce que toutes les étoiles sont allées? Quelqu'un les a-t-il mises dans un sac ou les a-t-il enlevées? Où sont-elles? Elles étaient là. Pourquoi est-ce qu'on ne peut plus les voir avec toute cette lumière? Parce que les étoiles, la beauté des étoiles, se manifeste dans l'obscurité. On peut dire la même chose de l'Évangile de Dieu par la grâce de Jésus-Christ. Vous voulez que la grâce soit vue? Eh bien, elle se révèle dans la nuit obscure, afin que les hommes puissent voir ce qu'ils sont. Et pendant qu'ils voient ce qu'ils sont vraiment, ils ont leur cœur exposé, et là, ils verront leur besoin d'un sauveur. Mais au lieu de cela, vous jouez avec eux, vous les couvez, vous les protégez, vous protégez leur soi-disant estime personnelle. En faisant cela, vous damnez leurs âmes pour l'enfer. Parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Les hommes ne sont pas juste rebelles. Ils sont aussi éloignés de ce qu'ils devraient être. Ils ont perverti leur être entier, l'essence de leur vie. Pourquoi a-t-on été créé? Pour quelle raison nos cœurs battent-ils? Pourquoi notre poitrine respire-t-elle? Il n'y a qu'une seule raison, c'est pour lui. Les hommes n'ont pas été créés pour eux-mêmes. Ce monde n'a pas été créé pour les hommes. Les hommes ont été créés pour Dieu. Et les hommes sont destitués.
perverti, désespéré, sans lui. N'est-ce pas étonnant? J'ai passé la plupart de ma vie dans le tiers-monde. Je reviens tout juste de ce qui est presque ma seconde maison, le Pérou. J'y étais pour un mois pour y prêcher. La pauvreté parfois dans le tiers-monde est absolument frappante. Les frères et les sœurs en Christ souffrent tellement. Mais quand je reviens aux États-Unis, je vois quelque chose. Je vois que nous, les Américains, sommes les chrétiens les plus riches qui n'aient jamais marché sur la surface de la terre. Nous sommes les chrétiens les plus protégés qui n'aient jamais marché sur la face de la terre. Et cependant, nous sommes les chrétiens les plus vides qui n'aient jamais marché sur la surface de la terre. Si vous allez dans ces soi-disant librairies chrétiennes, 70% des livres qui y sont nous montrent à quel point nous sommes vides. Et pourquoi sommes-nous vides? Nous sommes vides pour les mêmes raisons pour lesquelles Jésus ne l'a jamais été. Il a dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. De plus en plus, les assemblées évangéliques aujourd'hui sont devenues humanistes. Tout tourne autour des hommes. On prononce juste quelques paroles chrétiennes pour baptiser cela et lui donner une apparence chrétienne, mais tout tourne autour de vous. Tout tourne autour de vos besoins. Tout tourne autour de votre estime personnelle. Non! Ce sont des discours sans fin qui retireront toute substance de vie en vous. Vous n'avez pas besoin d'estime de soi. Vous avez besoin de la connaissance de Dieu. En fait, en dehors de Christ, vous ne devriez pas avoir d'estime personnelle. Et une fois en lui, vous savez que ce n'est qu'en lui que votre vie est ce qu'elle doit être. Les hommes ont besoin de Dieu. Ils ont besoin d'être tournés vers Dieu. Et ce n'est que là que leurs vies seront changées. Tout tourne autour de Christ. Votre cœur bat pour lui. Le souffle vous a été donné pour lui. La force vous a été donnée pour lui. Un esprit vous a été donné pour lui. Tout ce que vous avez reçu, vous l'avez reçu pour lui. Et ce n'est qu'en vivant pour lui que vous allez trouver votre but. La signification de votre vie, et même là, vous ne trouverez pas votre but. La signification de votre vie, si c'est votre but et non pas Dieu. Parce que votre but devrait être sa gloire. Même si pour cette gloire, tous vos projets et ambitions sont détruits dans votre vie. Tout tourne autour de lui, non autour de nous. Et c'est ça le problème fondamental avec l'humanité. Et le problème fondamental de la chrétienté américaine. Maintenant, tout tourne autour de nous. J'écoutais le message d'une église qui a grandi récemment et est devenue très très grande. Quelqu'un a demandé au pasteur, mais qu'avez-vous fait pour cela? Il a répondu, eh bien on satisfait simplement les besoins de tout le monde. C'est pas ça une église. Et qu'est-ce qui se passe lorsque vous ne pouvez pas répondre à tous leurs besoins? Que se passe-t-il lorsqu'il y a des soldats qui se tiennent à la porte et qui disent, si vous confessez Christ, on vous prend tout, votre maison, la jolie maison que Dieu vient de vous donner, votre voiture, ce joli vêtement-là que vous portez et que Dieu vous a donné. Si vous construisez votre assemblée ou votre chrétienté sur cela, Dieu va répondre à tous vos besoins, alors vous n'aurez pas de chrétienté. Vous aurez un humanisme au plus haut point et un Jésus rendu serviteur de l'homme. Les anciens prédicateurs nous ont laissé une grande leçon. Ils disaient parfois ceci. Vous devez croire en Jésus-Christ, vous devez vous repentir et vous devez le servir, même s'il vous envoie en enfer, parce qu'il mérite la repentance, il mérite la foi, il mérite le service, même si vous ne tirez strictement rien de lui. Vous comprenez ce type de chrétienté? Quand tout tourne autour de lui et non autour de l'homme.
car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Maintenant, en parlant des vrais croyants, il dit étant justifié. Qu'est-ce que cela veut dire être justifié? Est-ce que ça veut dire qu'à la minute où la personne place sa foi en Jésus-Christ, elle devient juste? Non, parce que si c'était le cas, cette personne ne pécherait plus du tout. La justification, être justifié, c'est un terme légal. Cela veut dire qu'au moment où une personne place sa foi en Jésus-Christ, Dieu déclare cette personne juste vis-à-vis de lui, sur un plan légal. C'est une déclaration légale venant du trône de Dieu. Ce pécheur est justifié. Il est légalement juste avec moi. Comment sommes-nous justifiés? C'est la question majeure au travers des âges. Par un don, par sa grâce. Je veux que vous regardiez quelque chose ici. Il dit « étant justifié comme un don ». Le mot, le même mot grec, est utilisé dans un autre texte où il dit du Messie qu'ils l'ont haï sans cause. Jésus a-t-il un jour donné une raison aux hommes de le haïr? Non. Ils l'ont haï, bien qu'il n'ait aucune raison du tout de le faire. C'est la même chose qui est dite ici. Dieu a déclaré l'homme juste devant lui, sans cause. Le pécheur n'a jamais donné à Dieu de raison de le justifier ou de le déclarer juste. En fait, la seule chose qu'un pécheur puisse motiver un Dieu saint à faire, c'est de le condamner. Mais Dieu a fait quelque chose de grand afin que le pécheur puisse être réconcilié avec lui. En dépit de toutes ses infractions, en dépit de tous ses péchés, de tous ses crimes contre la déité de Dieu, il a justifié l'homme bien que l'homme ne lui ait jamais donné de raison de le faire. Si un journaliste devait interviewer trois personnes venant des trois majeures religions ici ce soir et qu'il demandait à un juif orthodoxe, « Si vous mourrez maintenant, où allez-vous ?» Il répondrait sûrement, « J'irai au ciel. » Et pourquoi cela? Parce que j'aime la loi de Dieu. Je suis un serviteur de Dieu. Je suis un homme juste. Et le journaliste demanderait au musulman, « Et si vous mourrez, où allez-vous ?» Il dirait, « J'irai au paradis. » Pourquoi? Parce que j'aime le Coran. Je fais les prières. Je fais des aumônes aux pauvres. Je suis un homme juste. Enfin, il demanderait au chrétien, le vrai chrétien, « Si vous mourrez maintenant, où allez-vous ?» Il dirait, « Au ciel. » Et alors, quelle est la raison de l'espoir qui est en vous? Et le chrétien dirait, « Je suis dans l'iniquité depuis que ma mère m'a enfanté. J'ai enfreint tous les commandements de Dieu. Et je mérite la pleine étendue de sa juste colère contre moi. » Et le reporter s'arrêterait et dirait, « Mais monsieur, je ne comprends pas. Les deux autres, oui, je comprends plus ou moins. Ce sont des hommes justes par leur propre vertu, leur mérite. Ils pensent qu'ils iront au ciel à cause des bonnes œuvres qu'ils ont faites. Mais monsieur, je n'arrive pas à vous saisir, vous êtes une énigme. Vous me dites que vous irez au ciel, alors que vous méritez l'opposé. Mais sur quoi basez-vous votre espérance alors? Et ce chrétien répondrait, je mets ma confiance dans les vertus et les mérites d'un autre, Jésus-Christ, mon Seigneur. Déclaré juste devant Dieu, bien qu'on ne lui ait donné aucune raison de le faire. Aucune raison de faire quoi que ce soit, si ce n'est de nous condamner. Quelquefois dans mon ministère, ça n'arrive plus souvent maintenant, mais merci Seigneur, mais on dirait que à chaque fois que je me lève pour prêcher lors de réunions, une personne se met à chanter un chant qui pose la question, « Oh Dieu, qu'as-tu vu en moi pour me sauver ?» Et je me sens comme un enfant à l'école qui lève la main derrière en disant, « Mais désignez-moi, je le dirai. » Qu'est-ce que Dieu a vu en toi? Il a vu un objet de colère. Il a vu quelqu'un qui a brisé toutes les lois qu'il avait établies. Quelqu'un qui vivait une vie déréglée, pervertie. C'est ce qu'il a vu. Pourquoi t'a-t-il sauvé? Pour deux raisons. Dieu est amour.
Deuxièmement, pour démontrer sa gloire, sa miséricorde, ses attributs, pas seulement au monde, mais même au-delà. Il y a une chanson très populaire qui disait quelques années en arrière, « Dieu n'a jamais baissé les bras avec moi, mais c'est parce qu'il n'a jamais mis aucun espoir en toi depuis le début. » Dieu n'a jamais baissé les bras en ce qui te concerne. Mais qui vous a enseigné ces choses? Il n'a jamais baissé les bras parce qu'il n'a jamais eu aucun espoir en vous. Il a mis ses espoirs en ses propres promesses, ses propres espérances, sa propre alliance. Il a mis son espoir là où l'espoir se trouve, dans sa personne, dans ses décrets et ses œuvres. Donc il a justifié les hommes. Et il l'a fait comme un don par sa grâce, sa faveur imméritée. C'est cela qui conduit les hommes de Dieu. C'est cela qui conduit les femmes de Dieu. La grâce. La grâce. La grâce. La faveur imméritée de Dieu. Au travers du sacrifice infiniment grand de son Fils Jésus-Christ. Nous sommes des prisonniers de la grâce. Nous sommes devenus des prisonniers de l'espoir, des prisonniers de l'Évangile. Je dois vivre pour lui. Pourquoi? La grâce qu'il a manifestée à mon égard dans la personne de Jésus-Christ. Je suis contraint par cet amour. Il dit que nous sommes sauvés par grâce. Et il continue en disant au travers de la rédemption. J'ai oublié son nom, j'aurais dû m'en souvenir, mais j'ai entendu parler d'un vieux puritain où on raconte qu'il lisait quelques paroles des Écritures et après les avoir lues, il s'asseyait avec les lèvres tremblotantes parce que certains mots étaient presque trop sacré pour être dit. Si on devait suivre ce mode de pensée, je dirais que rédemption fait partie de ces mots-là. Mais c'est devenu tellement commun. Je me souviens de la première fois que j'ai traversé les montagnes indiennes avec de vieux missionnaires et je me demandais comment ils pouvaient dormir au milieu de cette beauté que l'on pouvait voir au travers des vitres. Et quelques années plus tard, j'étais celui qui emmenait un groupe de jeunes hommes dans ces montagnes indiennes. Et j'ai réalisé que j'avais fait la même chose, j'ai dormi. Certaines choses sont si spectaculaires. Elles ne changent pas en caractère, en valeur, mais nos cœurs deviennent froids. Et les choses deviennent des lieux communs. Au point qu'on peut penser au mot rédemption, sans aucune émotion. Ça aurait été suffisant d'être acheté, parce que c'est ce que ce mot veut dire. Acheter une personne, la rendre libre un esclave en payant le prix. Ça aurait été assez. Si on avait été acheté avec de l'or ou de l'argent, ça aurait suffi si ça avait été quelque chose de valeur au ciel. Mais ça a été le sang du propre Fils de Dieu. Et une fois encore, cette vérité est ce qui doit nous conduire. J'ai apprécié ce qu'un jeune homme a dit ici tout à l'heure. La chrétienté, ce n'est pas de la moralité. Il y a beaucoup de gens moraux qui vont aller en enfer. La chrétienté va résulter, oui, dans une vie de moralité biblique. Mais la chrétienté n'est pas une affaire de moralité. Ça tourne autour de lui. Il n'est pas juste question d'être des gens bien ou de faire des choses bien. Il est question d'une passion, d'un cœur en feu, parce qu'il réalise qu'il a été racheté avec le sang du Fils de Dieu. Nous avons été rachetés. Et comme il le dit ici dans le texte, cette rédemption se fait en Christ Jésus. En Christ Jésus. C'est peut-être le fragment le plus puissant dans la Bible, en Christ Jésus. Paul était si familier avec cette phrase que
Lorsqu'on lit le premier chapitre d'Éphésiens, la moitié du chapitre, c'est juste une longue phrase dans laquelle est répétée encore et encore, en lui, en Christ, dans le bien-aimé. Vous êtes ici ce soir dans une sphère ou dans une autre. Vous êtes en Adam et condamné, ou en Christ et justifié. Un jeune homme est venu me voir un jour et m'a dit, « Tu as raison, frère Paul, tu as raison. Jésus est tout ce dont nous avons besoin. » Je lui ai dit, « Jeune homme, Jésus est tout ce que nous avons. » Pas juste tout ce dont on a besoin. En dehors de lui, il n'y a rien. Vous avez besoin de comprendre que cette grande lettre aux Colossiens ne nous enseigne pas seulement que le monde a été créé par Christ et pour Christ, cela a été créé en Christ. Tout ce qui est en dehors de Jésus-Christ n'est pas la réalité. Tout ce qui est en dehors de Jésus-Christ est absolument absurde. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a que la mort. Il n'y a rien en dehors de lui. Il n'y a pas de réalité, il n'y a pas de logique, il n'y a pas de sens, il n'y a pas de raison. Rien ne marche. Tout a été fait pour être en Christ. Les gens ici ce soir ont tant de problèmes. Vous direz peut-être que j'ai des problèmes dans mon mariage, des problèmes dans mes finances. J'ai des problèmes ici et là. Votre plus grand problème, c'est d'arriver à capituler devant cette vérité. La soumission totale à la personne et à la volonté de Jésus-Christ, pour la gloire de Jésus-Christ. En Christ, que Dieu a exposé publiquement afin d'être une victime propitiatoire, une propitiation. Peut-être qu'après le nom de Dieu, celui-ci est le mot le plus important dans la Bible. Vous savez ce que cela veut dire? Propitiation. Dieu a exposé son Fils publiquement. Il y a une raison à ce que le Fils de Dieu ait été crucifié au centre de l'univers religieux, en dehors de la ville la plus religieuse au monde. Pendant qu'il était sur cette croix, au carrefour de cette grande ville, Dieu, au travers de la croix de Jésus-Christ, ne sauve pas seulement les hommes, mais il révèle des choses à propos de lui. Il se fait connaître au monde, au travers de cette croix qui était donc nécessaire. Ce mot peut aussi vouloir dire que Dieu a placardé son Fils, a fait une exposition publique de son Fils. On pourrait penser que Dieu aurait pu effacer les péchés secrètement, mais il ne l'a pas fait. Il a exposé son Fils publiquement pour que tous, pas seulement le monde, mais pour que toute la création puisse voir. Donc il nous est dit que Dieu l'a exposé publiquement comme une propitiation. Qu'est-ce qu'une propitiation? Le mot propicio, on l'utilise même dans l'ancien espagnol, dans l'ancienne version que l'on utilise, on dit propicio a mi, aie compassion de moi. C'est un sacrifice qui permet à Dieu de démontrer sa miséricorde aux gens. On va expliquer cela plus loin, mais d'abord je vais vous parler de quelque chose. Écoutez-moi. Si vous arrivez à saisir juste cette chose que je vais vous enseigner ce soir, cela va vous aider. Cela concerne la croix. C'est la croix. Je vais expliquer la raison de la croix. Ce qu'il y a en dessous. Pourquoi une croix? Pourquoi une mort? Le plus grand problème dans toute la Bible est trouvé dans un texte obscur du livre des Proverbes. Allons-y pour un moment. Proverbe 17, 15. Écoutez. Celui qui justifie le coupable et celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination à l'Éternel. Vous me direz, qu'est-ce que cela a à voir avec l'Évangile?
Très bien, mettons la première et la dernière partie ensemble. Celui qui justifie le coupable est en abomination à l'Éternel. Tout le monde, spécialement une autorité comme un juge ou un roi, toute personne qui justifie le coupable est en abomination à Dieu. C'est quoi une abomination? C'est probablement le mot le plus dur dans les Écritures. C'est quelque chose de dégoûtant, de vain, de mauvais, de méchant au plus haut point. Donc quiconque justifie un homme méchant, quiconque déclarant un homme méchant juste, est une abomination devant Dieu. Vous avez vu où est le problème? Ces dernières 25 minutes, qu'est-ce que j'ai dit? Dieu a justifié le méchant. Et cependant, la parole ne peut pas être évincée. Justifier le méchant est en abomination à Dieu. Pourtant, l'évangile ne tourne qu'autour de cela. Et beaucoup d'entre vous ne l'ont jamais entendu. Le plus grand problème dans toutes les Écritures est celui-ci. Si Dieu est juste, il ne peut pas vous pardonner. Vous direz pourquoi? Par cette question, vous démontrez que vous êtes un enfant de votre culture qui n'y connaît rien en justice. Dieu est saint. Dieu est juste. Dieu ne peut juste pas détourner son dos du péché. Il ne peut pas juste regarder par-dessus votre péché. Il ne peut pas vous pardonner comme cela. Si Dieu est juste, il doit vous juger. Avec justice et un juste jugement signifie votre mort et l'enfer pour toujours. La plus grande question de toute la Bible, c'est comment Dieu peut-il être juste et en même temps être le justificateur des méchants. Regardez ce que Paul dit au verset 26. De montrer sa justice dans le temps présent de manière à être juste et justificateur. Voici le problème. C'est autour de cela que tourne la croix. C'est le dilemme divin. Si Dieu est juste, comment peut-il justement pardonner des hommes méchants et les déclarer légalement justes devant lui? Laissez-moi vous donner une illustration que j'ai utilisée des millions de fois. Imaginez que vous ayez quitté votre maison pour écouter ce message ce soir et en rentrant, vous trouvez votre famille assassinée. Et vous voyez l'assassin se tenir devant les derniers membres de la famille à qui il reste un brin de vie. Il leur tord le cou et les jette au sol en riant. Il essaie de fuir, vous le poursuivez, vous l'immobilisez au sol. Vous attachez ses mains, vous appelez la police. La police vient, embarque cet homme qui a assassiné votre famille entière et l'enferme. Ensuite, à la date arrêtée, il l'emmène devant le juge. Le juge regarde cet homme qui a tué votre famille entière et il dit, « Je suis un juge très aimant, je te pardonne. Tu peux t'en aller. » Quelle serait votre réaction? Vous demanderiez justice. Vous rédigeriez des articles et appelleriez les chaînes de télévision. Vous écririez au Congrès et vous diriez, il y a un juge qui est bien plus méchant que le criminel qu'il a pardonné. Il y aura quelque chose en vous qui va crier pour la justice. Cela ne peut pas se passer ainsi. Et le juge de toute la terre doit-il pas à plus forte raison bien faire? J'ai entendu des évangélistes dire ceci, sans savoir qu'ils blasphémaient et disaient des hérésies contre Dieu. Je les ai entendus dire, au lieu d'être juste avec toi, Dieu a été aimant. Vous savez ce qu'ils disent? Que l'amour de Dieu est injuste. Que Dieu peut être injuste. Il y a même au sein de notre race humaine des gens qui aiment injustement. Ils aiment injustement, ils démontrent l'affection de la mauvaise manière. Vous ne pouvez pas dire, tout en étant biblique, qu'au lieu d'être juste, Dieu a été aimant. L'amour de Dieu doit être juste. Dieu doit satisfaire la justice qui vous accuse à cause de vos péchés. Maintenant,
Ce n'est pas comme certains le supposent. Certains diront, est-ce que tu dis qu'il y a cette règle de justice à laquelle même Dieu doit se soumettre? Non, ce n'est pas du tout ce que je dis. Ce que je dis, c'est que Dieu lui-même est juste. Et que Dieu est parfait, conforme à tous ses attributs. Afin de pouvoir pardonner le méchant, la justice de Dieu doit d'abord être satisfaite et la colère de Dieu apaisée. Quelque chose doit, et c'est un mot très important, vous pouvez le regarder dans le dictionnaire, quelqu'un doit s'interposer. Quelqu'un doit intervenir. Quelqu'un doit faire quelque chose. Et ici, il n'y a que deux parties, l'un étant Dieu et l'autre l'homme. On ne place pas d'espoir en l'homme. Dieu lui-même doit intervenir pour satisfaire sa justice et apaiser sa colère et rendre possible l'expression de son amour et de son salut envers des hommes méchants. Maintenant, laissez-moi aborder quelque chose qui va sûrement vous offenser. Je vais parler un moment de la haine de Dieu. Puis-je vous poser une question? Combien parmi vous, et levez vos mains, ont déjà entendu un sermon sur la haine de Dieu? 1, 2, 3, 4, 5... Wow, c'est au-dessus de la normale. La haine de Dieu? Mais frère Paul, qu'est-ce que... Comme une jeune fille disait, Dieu ne hait pas. Dieu est amour. Donc il ne peut pas haïr. Non, Dieu est amour, donc il doit haïr. Avant qu'on aille dans les Écritures, laissez-moi vous en donner une idée. Est-ce que vous aimez les bébés? Moi, oui. J'en ai plein à la maison. J'aime beaucoup les bébés. Et le plus dur dans mon ministère, c'est d'être éloigné d'eux. Même s'ils font 2 mètres, ils restent mes bébés. Donc, si j'aime les bébés, je dois haïr l'avortement. Est-ce que vous aimez les Juifs? Moi, oui. Donc, vous devez haïr l'Holocauste. Est-ce que vous aimez les Afro-Américains? Alors, vous devez haïr l'esclavage, alors. Je suis désolé. Il n'y a pas de neutralité. Vous voyez, si vous aimez vraiment ce qui est juste, ce qui est parfait, ce qui est bon, il y a aussi une animosité, une inimitié envers tout ce qui va à l'encontre de ce standard. Dieu aime tout ce qui est juste, tout ce qui est vrai, tout ce qui est bon, tout ce qui est vertueux. Mais verset après verset dans la Bible, nous voyons que sa haine se manifeste contre la méchanceté. Je pourrais le retirer si vous vouliez. Je pourrais garder le silence. Mais je ne serais pas fidèle à Dieu en faisant cela. Laissez-moi vous donner un bon texte. Allez à Psaume chapitre 5. Juste pour un moment. Psaume chapitre 5, verset 5. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. Maintenant, vous connaissez cette merveilleuse citation qui dit « Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur ». Eh bien, regardez ce texte. Est-ce que c'est ce qu'il enseigne? Ce n'est pas ce qu'il enseigne. Je suis désolé. Je sais que ça sonne bien comme phrase et que c'est tendance sur des t-shirts chrétiens, mais ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Ce passage ne dit pas que la haine de Dieu est manifestée envers les mauvaises œuvres. Il est dit ici qu'elle se manifeste contre ceux qui les pratiquent. Mais ne vous y méprenez pas, la haine de Dieu n'est pas comme la nôtre. Ce n'est pas une haine où tout est centré sur soi, sur l'ego, ce n'est pas une haine égoïste. C'est la réaction d'un Dieu saint contre des hommes qui sont mauvais. À qui est-ce que je fais allusion? À tout homme né fils d'Adam. Vous devez comprendre. Mais qu'est-ce que la colère de Dieu selon vous? Quelque chose d'impersonnel qui sort de l'arrière du trône de Dieu? Non, c'est Dieu. Quand les gens viennent à moi et me disent, frère Paul, Dieu m'a sauvé, je pose cette question. De quoi t'a-t-il sauvé? Eh bien, il m'a sauvé de mes péchés. Non.
Il t'a sauvé de lui. Vous connaissez tous ces passages, prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Dieu est saint, il ne peut contempler le mal, ses yeux sont trop purs. Que la colère de Dieu est révélée contre toute injustice. Si vous et vos péchés vous trouvez devant un Dieu saint, il n'y a qu'une seule réponse, la colère. Mais l'amour de Dieu est tellement grand qu'il est capable de se démontrer, de se montrer à un objet de sa colère. C'est comme si, d'une main, Dieu retenait sa justice contre ce monde, et de l'autre, il disait aux hommes, « Venez !» Mais un jour, ces deux mains vont se joindre. Vous savez, n'est-ce pas? Laissez-moi vous donner un exemple. Le paradis, est-ce qu'il est parce que Dieu y est? C'est tout à fait vrai. Mais l'opposé n'est pas vrai. L'enfer, est-ce qu'il est parce que Dieu n'y est pas? Non, ce n'est pas ce que les Écritures nous enseignent. L'enfer, c'est la colère du Dieu Tout-Puissant. C'est sa parfaite justice révélée envers les hommes à travers l'éternité. Maintenant, quelques-uns d'entre vous seront choqués en rentrant. Vous direz, je n'ai jamais entendu une telle chose. Vous direz, il a été mesquin et toutes sortes de choses. Mais je peux vous garantir que même si vous lisiez les livres anciens, vous découvriez que c'est ce que les prédicateurs ont toujours dit. Ils ne le disent plus aujourd'hui parce qu'ils veulent de grandes églises. On doit avertir les hommes. On doit dire aux hommes que chaque jour, Dieu ouvre ses bras à des gens désobéissants, obstinés. Mais en même temps, la colère de Dieu arrive sur le monde. Parce que Dieu est un Dieu saint, juste. N'avez-vous pas lu l'Apocalypse? Je ne vous parle pas juste des anciens enseignements de l'Ancien Testament. La colère de Dieu va s'abattre d'une telle manière que les hommes vont s'écrier, les grands, les chefs de ce monde vont demander aux rochers de tomber sur eux pour les cacher de la colère de l'agneau. La colère de Dieu. Oh, moi, je n'y crois pas. Ce que tu crois n'a pas d'importance face à ce que la parole enseigne. Il y a bel et bien une colère de Dieu qui est le résultat de sa justice, de sa sainteté et même de son amour et de sa bonté. Dieu peut-il être aimant et ne rien faire contre la méchanceté? Non. Dieu peut-il être bon et ne rien faire contre le mal? Absolument pas. Dieu va juger les hommes. Il va le faire. Mais la question est la suivante. Qui peut alors être sauvé? Voici notre réponse. La croix de Jésus-Christ. Vous direz, mais que veux-tu dire, frère Paul? La croix de Christ. Quand Christ était sur cette croix, quand il est mort, avec sa mort, il a satisfait la justice de Dieu. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Dieu est devenu un homme, a vécu une vie parfaite sous la loi, est allé sur cette croix et est mort à la place de son peuple. Et en mourant de cette façon, il a satisfait la justice divine. Il a apaisé sa colère. Maintenant, regardons un moment, pendant le temps qu'il nous reste, à la croix. Écoutez, j'étais en train d'enseigner il y a quelques années en arrière, dans un séminaire en Europe de l'Est, et avec des Allemands. J'étais très fatigué, j'avais enseigné toute la journée, donc... Je suis allé dans une bibliothèque, je cherchais un livre à lire, et je suis tombé sur un livre intitulé « La croix de Jésus ». Ce n'était pas le livre de John Stack, c'était un autre auteur. Donc « La croix de Christ ». Je l'ai pris, j'ai commencé à lire, et je suis tombé sur un endroit. Voici ce que l'auteur disait. Dieu a regardé du ciel la souffrance qui était infligée à son Fils. Par les mains des Romains,
sur cette croix et a considéré cela comme nous ayant sauvés de nos péchés, rachetés. C'est une hérésie. Est-ce que vous avez vu ce qui cloche? C'est une hérésie. Vous direz, mais que veux-tu dire là? Mes chers amis, si vous êtes sauvés ici ce soir, vous n'êtes pas sauvés parce que les Romains ont frappé Jésus. Vous n'êtes pas sauvés parce qu'ils l'ont cloué à une croix. Si vous êtes sauvés, vous êtes sauvés parce que lorsqu'il était sur cette croix, il a porté vos péchés et Dieu le Père a brisé son propre Fils. C'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu qui devait mesurer la punition. C'est Dieu qui avait été offensé. C'est la colère de Dieu qui s'est déversée. C'était la justice de Dieu qui devait se répandre. Quelqu'un, afin de sauver les gens de Dieu, devait s'interposer et souffrir le jugement, la colère, la justice de Dieu. N'avez-vous jamais lu dans Ésaïe, chapitre 53, verset 10, « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance ». Cela a accompli la volonté de Yahweh de briser son Fils unique. Examinons cela pour un moment. Jésus est sur cette croix. Et sur cette croix, il s'écrit, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» J'ai entendu un prédicateur, j'ai même entendu plusieurs fois des prédicateurs dire que Dieu ne pouvait regarder son Fils parce qu'il ne supportait plus l'affliction de son Fils. Ce n'est pas ce que Jésus enseigne là. Qu'est-ce qu'il nous enseigne? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il se réfère à ce texte de Psaume 22. Je veux que vous y alliez rapidement avec moi. On ne va pas lire tout le texte, mais au moins une partie. Donc, Psaume 22, verset 1. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne me réponds pas. La nuit, je n'ai point de repos. » Voici la complainte du Messie tandis qu'il est sur cette croix. « Pourquoi m'as-tu abandonné? » Ensuite, il donne une explication, verset 4. « En toi se confiaient nos pères, ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi, ils étaient sauvés, ils se confiaient en toi, ils n'étaient point confus. » Il n'y a jamais eu un temps dans l'histoire de ce peuple d'alliance qu'un homme juste ait crié à toi et que tu ne l'aies délivré. Mais moi, je suis ton fils, le Messie, je n'ai jamais péché. Pourquoi m'as-tu abandonné? Puis il donne la réponse au verset 3. Tu es saint. Verset 6. Et moi, je suis un ver. Sur cette croix, vous connaissez tous les petits tracts, n'est-ce pas? Dieu est saint, les hommes ne le sont pas, il y a cette grande division entre les deux. Ne voyez-vous pas que quelqu'un a dû créer un pont? Et pour cela, quelqu'un a dû mourir en dehors de la présence et de la faveur de Dieu. Quelqu'un a dû porter le péché. Quelqu'un a dû devenir une malédiction. Quelqu'un a dû devenir comme ces chefs de sacrifice. Les leaders d'Israël venaient et posaient leurs mains sur ces chefs pour transférer symboliquement les péchés d'Israël sur elles. L'une était égorgée, l'autre était mise hors de la ville pour errer dans le désert et ensuite y mourir. De la même manière, Jésus a souffert à l'extérieur de la ville, séparé de Dieu, séparé de sa favorable présence, séparé du peuple de Dieu, afin que ce vide qui séparait Dieu et les hommes soit bouché. Quelqu'un a dû mourir, séparé de la présence favorable de Dieu, séparé parce qu'il a porté les péchés de son peuple et est devenu une malédiction, même aux yeux de son propre Père. Vous n'avez jamais lu Galates chapitre 3? Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Tout homme ayant ne serait-ce que brisé une seule loi est sous la malédiction. Qu'est-ce que cela veut dire d'être sous la malédiction? C'est une chose très difficile. C'est une idée horrible. Je vais le dire de cette manière. Être une malédiction veut dire que devant un saint Dieu et un saint paradis, on serait si mauvais dans nos péchés, si vains, que la dernière chose qu'on verrait juste avant d'aller en enfer serait toute la création se levant sur ses pieds et applaudissant Dieu parce qu'il se débarrasse de nous. Il continue dans Galates 3, 13 en disant « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi.
comment étant devenu malédiction pour nous, à notre place. La culpabilité, la honte devant un Dieu saint, le sentiment d'être rejeté de sa favorable présence, de mourir sans lui, la séparation. Et ensuite, pas juste la séparation, mais aussi la colère. La justice devait se répandre. Il le fallait. Maintenant, elle se répandra chez certains d'entre vous. Je ne suis pas un prophète, je n'ai pas accès à votre cœur, mais il serait vraiment insensé et vain de ma part de penser que toutes les personnes qui entendent ma voix, que ce soit ici ou sur Internet ou qu'importe, sont vraiment enfants de Dieu. La colère sera déversée chez certains d'entre vous au travers d'un enfer éternel, à cause des crimes que vous avez commis et allez continuer de commettre pour toute l'éternité. Le salaire de votre cœur contre la souveraineté de Dieu. Mais sur cette croix, la colère de Dieu, la justice de Dieu ont été déversées sur son Fils bien-aimé. Comme je l'ai déjà cité, il plut à Dieu de le briser. Vous savez, quand Jésus est dans le jardin et dit à trois reprises que cette coupe s'éloigne de moi, j'ai entendu des prédicateurs dire la coupe était la croix, la coupe était les clous, la coupe c'était les Romains. C'est absolument grotesque. Parce que si c'était le cas, dites-moi comment expliquer que le capitaine de notre salut n'ait pas été aussi brave que ses propres disciples. Est-ce qu'il n'est pas avéré qu'après l'ascension de Christ, un nombre incalculable de chrétiens sont morts sur des croix? Crucifié, pas seulement crucifié, mais crucifié à l'envers, servant de torche humaine pour éclairer les rues de Rome. Et cependant, certains d'entre eux montaient sur ces croix en chantant des hymnes remplis de joie. Donc vous voulez me dire que les disciples de Jésus vont sur la croix chantant des hymnes remplis de joie, mais le capitaine de notre salut, le Messie lui-même, est pris de lâcheté dans un jardin et refuse d'y aller? Pensez-vous vraiment que le Dieu de gloire ait eu peur des coups? Qu'y avait-il dans cette coupe? Tout au long de la Bible, on nous dit ce qu'il y avait dans cette coupe. Si je devais résumer tout ce que les prophètes ont dit et assembler tout cela, je dirais, à cause de l'iniquité et de la rébellion des nations, je leur donnerai la coupe de ma colère et je les forcerai à boire, ils agoniseront, ils mourront. Quelqu'un a dû boire la coupe de la colère de Dieu afin de satisfaire sa justice. Sur cette croix, Christ a pris la coupe de la colère et l'a bu. C'est comme l'histoire d'Abraham et d'Isaac. Tandis qu'ils vont sur cette montagne pour offrir un sacrifice, il offre son fils unique. Ce vieil homme prend un couteau, le lève et s'apprête à tuer son fils. Et lorsque l'homme est sur le point de le faire, tandis qu'il abaisse le couteau pour le tuer, Dieu l'arrête. Vous direz, quelle merveilleuse fin! Mais ce n'est pas la fin. C'est une analogie. Des années ont passé et le Fils unique de Dieu est sur cette croix et Dieu lève ses mains sur le corps de son Fils unique. Il baisse le couteau puis l'égorge. Commencez-vous à voir ce dont il est question avec la croix? Si je vous emmenais de nouvelles révélations, vous devriez sortir de la pièce, mais ce ne sont pas de nouvelles révélations, c'est juste le christianisme historique que plus personne ne prêche. Parce qu'on a réduit tout cela à quatre choses, quatre lois spirituelles, ou cinq choses que Dieu veut que vous sachiez. Et c'est pour cela qu'il n'y a plus de puissance. Regardez ce que Dieu a fait. Il a pris sur lui pour effacer nos péchés.
Son seul fils unique s'est soumis à lui, s'est réjoui de sa volonté. Il est devenu un homme, a vécu une vie parfaite et allé sur cette croix. Le prix a dû être payé, une mort sous la colère de Dieu pour satisfaire sa justice. Et Jésus-Christ s'est tenu à notre place pour être brisé selon la volonté de son Père. Donc il a bu cette coupe, et lorsqu'il a dit « Tout est accompli », il a renversé la coupe, et pas une seule goutte n'en est sortie. Tout est accompli. Il a tout payé. Il a tout payé. Et ce même Jésus qui est mort n'est pas demeuré dans la mort. Il a vengé son Père sur cette croix. Vous dites comment, frère Paul? Il a prouvé une fois pour toutes que Dieu est juste, même s'il justifie le méchant. Voici les accusations faites contre Dieu durant toute l'histoire humaine. Pouvez-vous imaginer le diable? Qu'est-ce qu'il a fait, le diable? Il a péché, une parfaite justice a été faite contre lui. Il n'y avait pas besoin d'explication. Dieu est juste, Satan a péché et la justice a été faite. Mais ensuite, il y a le péché d'Adam. Est-ce que vous pouvez imaginer les accusateurs de Dieu? Oh Dieu, mais qu'est-ce que cela veut dire? Moi, je pêche et justice. Et celui-ci, rempli de saleté, s'élève contre toi et tu lui donnes une promesse. Non mais qu'arrive-t-il à ta justice? Oh, et Abraham, il est ton ami maintenant. Où est ta sainteté, Dieu? Oh, Israël, ton peuple, combien de fois ont-ils commis l'idolâtrie contre toi? Combien de fois auraient-ils dû mourir? Et David, un homme selon ton cœur, qu'arrive-t-il à ta justice, Dieu? Il y a 2000 ans, Dieu a donné sa réponse. Voulez-vous savoir comment je peux épargner les hommes depuis le commencement, même leur père Adam? Voulez-vous savoir comment je peux appeler Abraham mon ami? Voulez-vous savoir comment je peux appeler David un fils? Parce que voici mon fils maintenant, mourant pour eux tous. Donc Dieu est juste. Pourquoi? Il a puni nos péchés. Mais il a puni nos péchés par son Fils unique. Lui seul était qualifié pour cela. Parce que le sang des taureaux et des moutons n'enlevait pas le péché. Donc un corps a été préparé. Et le Fils de l'homme est né. L'homme Christ Jésus. Adam a péché. Le fils d'Adam devait mourir. Il est devenu le fils d'Adam. Il est mort à la place de son peuple. Il devait être un homme, mais il devait aussi être Dieu. C'est pour ça que la doctrine des témoins de Jéhovah est si aberrante. Parce qu'ils prétendent que Christ n'était rien d'autre qu'un prédicateur que Dieu a envoyé pour faire une œuvre de salut. Non, Dieu est venu pour faire une œuvre de salut. Cela devait être Dieu. Pourquoi ça devait être Dieu? Parce que si ça n'avait pas été Dieu, il n'aurait pas été sauveur. Et s'il est sauveur, il doit être Dieu. Parce que comme Jonas l'a dit, le salut appartient au Seigneur. Cela vient du Seigneur et de personne d'autre. Pourquoi il fallait que ça soit Dieu? Qui, si ce n'est Dieu, peut supporter la colère de Dieu et se relever? Pourquoi il fallait que ce soit Dieu? Il devait donner sa vie. J'ai entendu ces prédicateurs dire « Dieu ne pouvait trouver l'ange parfait ou l'homme parfait ». Ça n'aurait aucune importance s'il avait pu trouver l'ange ou l'homme parfait. Ça n'aurait toujours pas marché. Dieu est descendu. Dieu est devenu un homme. Dieu. Pour toi. Il a donné sa vie. Laisse-moi vous poser une petite question. La vie que vous avez, pouvez-vous la donner? Elle n'est même pas à vous pour commencer. Elle ne vous appartient même pas. Votre vie vient de Dieu. Si je donnais ma vie, ce serait comme si je donnais votre voiture. Ce n'est même pas à moi pour commencer. Mais Christ a dit, j'ai l'autorité de donner ma vie, de la reprendre, elle lui appartient. Pourquoi il fallait que ce soit Dieu? Un étudiant s'est levé une fois au milieu de la congrégation. Il a dit, j'ai une question pour vous.
Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'un homme souffre un petit nombre d'heures sur cette croix et que cela paye pour les péchés d'une multitude de personnes pour l'éternité? Ce n'est pas juste. Comment cela se peut-il? Comment Dieu peut-il accepter cela comme la justice? J'ai dit, jeune homme, merci pour ta question. Si cet homme a pu mourir sur cette croix, souffrir quelques heures et sauver une multitude d'hommes de l'éternité en enfer, c'est parce que cet homme sur la croix valait bien plus que toute cette multitude d'hommes réunis. C'est à cause de sa valeur infinie. Il est mort et il est ressuscité des morts. Donc tandis que Christ a vengé son Père en mourant sur la croix, le Père a vengé son Fils en le ressuscitant des morts. C'était la déclaration publique de Dieu que mon Fils, ce qu'il a fait sur la croix, paye pour les péchés de mon peuple et paye une fois pour toutes. Maintenant, pour finir, je veux aller dans un de mes passages. C'est un passage qui a été utilisé par les pères de l'Église. C'est appelé le psaume de l'Ascension. Psaume 24, verset 7. Les anciens prédicateurs avaient pour habitude de dire ceci. Christ est ressuscité d'entre les morts, et 40 jours plus tard, il est monté au ciel. Il est monté comme Christ, l'homme, Christ, le Fils de Dieu, Christ, le Dieu-homme. Il est arrivé devant les portes du ciel qui se sont élevées. Verset 7, « Portes élevées, vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. » Pouvez-vous imaginer le choc? C'est comme si les anges se tenaient de l'autre côté de la porte et disaient, « Qui se tient devant cette porte ? Aucun homme n'est jamais passé par là. Qui oserait mettre ses mains sur les poignées de cette porte et penser être digne de passer par là ?» Et la réponse suit, « Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. » Christ, le roi de gloire, Christ, le Dieu-homme, Christ s'est fait homme pour nous et est entré dans la gloire et s'est assis à la droite de son Père. Et maintenant, Dieu ne vous demande pas de faire une petite prière de 5 minutes et de demander à Jésus de venir dans votre cœur. Non, ce n'est pas ce qu'il fait. Vous me direz, j'ai été sauvé de cette manière. Oui, c'est possible que vous ayez été sauvé de cette manière. Mais la Bible dit, Dieu commande aux hommes en tout lieu de se répentir de leurs péchés, de croire en l'Évangile, de produire des fruits dignes de la repentance. Vous direz, frère Paul, parles-tu d'un salut par les œuvres? Absolument pas. Je parle d'une doctrine perdue dans l'Église. Et veuillez me supporter un instant de plus. Je ferme ma Bible en signe de bonne foi. Après cela, je m'en vais. Mais supportez-moi un moment. S'il y a une doctrine perdue aujourd'hui qui détruit l'évangélisation, c'est la doctrine de la régénération. La régénération n'est pas plus ou moins une décision. Vous n'êtes pas sauvé tout simplement parce que vous avez décidé de quitter la file qui va en enfer pour celle qui va au ciel. Le salut est une œuvre surnaturelle de Dieu. Quand le pouvoir de Dieu est manifesté d'une telle manière que ça équivaut ou dépasse le pouvoir que Dieu a mis dans la création de l'univers. L'univers a été créé ex nihilo, à partir de rien. Mais quand Dieu sauve un homme, il le recrée et le délivre du chaos. Quand les gens se sont réellement repentis, quand les gens ont vraiment cru, il y a une œuvre de régénération qui s'opère au travers de laquelle la personne devient une nouvelle créature. Et en tant que nouvelle créature, elle a une nouvelle nature et va vivre une vie différente. La preuve de la régénération n'est pas une décision prise un jour durant une campagne évangéliste. La preuve de la régénération, c'est que vos vies ont été transformées. Pensez-vous que Dieu ne transforme que quelques-uns de ses enfants? La doctrine du chrétien vivant charnellement de manière continue est une hérésie totale.
Est-ce que les chrétiens pêchent? Oui. Est-ce que les chrétiens peuvent chuter dans la chair? Oui. Est-ce que les chrétiens peuvent montrer de l'immaturité pour un moment? Oui. Mais est-ce que les chrétiens peuvent vivre une vie sans Dieu mondaine tous les jours de leur vie? Absolument pas. Pourquoi? Parce que le salut est une œuvre surnaturelle de Dieu, selon laquelle celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Et les nouvelles créatures vivent d'une nouvelle manière. C'est pour ça que les gens qui disent qu'il y a aujourd'hui autant de péchés dans l'Église qu'en dehors de l'Église, qu'il y a autant de divorces, de pornographie, de mensonges, de haine dans l'Église qu'il y en a à l'extérieur, tout cela c'est un mensonge. L'Église de Jésus-Christ en Amérique aujourd'hui est belle, elle est brisée, elle est confessionnelle, elle marche avec son Dieu. Et quand elle pêche, cela brise son cœur et elle retourne à lui. Le problème c'est que ce que vous appelez l'Église n'est pas l'Église. Si l'Église est ce que vous dites, alors toutes les promesses de la Nouvelle Alliance ont échoué. Dieu dit qu'il allait faire une nouvelle alliance et que ces gens seraient son peuple et lui leur Dieu et que la loi de Dieu serait écrite sur leur cœur et qu'ils la mettraient en pratique. La preuve de la conversion n'est pas une carte de décision qu'on remplit. C'est une vie transformée. Un ami à moi a appelé un chrétien érudit très renommé dans l'histoire, Dr. Dallimore. Il lui a dit, j'ai une question. Les puritains n'ont pas vraiment pratiqué les invitations à donner sa vie à Jésus de la manière qu'on le fait aujourd'hui. Donc, comment savaient-ils que les gens étaient sauvés? Et le docteur a répondu ceci. Eh bien, c'était facile. Leur vie avait changé et ils continuaient de venir à l'Assemblée. Et nous, comment savons-nous qu'ils sont sauvés? Ils ne viennent pas aux Assemblées, leur vie n'ont pas changé, mais on le sait parce qu'ils ont levé leurs mains. Regardez ce qu'on a fait. Regardez. Regardez. Si vous êtes ici ce soir et que vous vous faites du souci pour votre âme, je ne vous demanderai pas de lever vos mains, je ne vous demanderai pas de remplir une carte, mais je resterai ici jusqu'à 6 heures du matin s'il le faut pour vous conseiller. Vous voyez, c'est ça le problème. La grande ascension, les gens viennent à l'avant, ils signent une carte, on leur parle 5 minutes du salut, on les déclare sauvés, et après on se demande pourquoi en dépit des enseignements ils ne grandissent pas. On a fait la grande ascension, on les fait passer par une espèce de test évangélique, ils ont donné les bonnes réponses aux questions et on les déclare sauvés. Et après, on s'en soucie plus. C'est une erreur. Je vais vous dire ceci. Si vous vous êtes repenti, si vous avez cru en Christ ce soir, si vous avez fait cela, il vous a sauvé. Mais je vous dirai ceci. Si vous avez pris la décision de suivre Christ, vous voyez Christ comme Seigneur ce soir et vous avez mis votre foi en lui, il vous a sauvé. Mais si vous sortez d'ici et que votre vie ne change pas, et que vous ne commencez pas à grandir, et que celui qui a commencé une bonne œuvre en vous ne l'achève pas, cela voudra dire que ce qui est arrivé ce soir n'est pas sincère. Parce que la preuve d'une vraie conversion, c'est un incessant travail de Dieu dans l'âme d'un homme. C'est ça la vieille manière. C'est le christianisme historique. Combien d'entre vous, combien parmi ceux que vous connaissez sont dans ce cas? N'est-ce pas la vérité? Peut-être qu'ils étaient enfants et ont fait une profession de foi quand ils avaient 6 ans, parce que quelqu'un leur a demandé s'ils voulaient aller au ciel et s'ils aimaient Jésus. Bien sûr, ils ont levé leurs mains. Ensuite, à 14-15 ans, ils sont allés dans le monde, ils ont commencé à haïr les choses de Dieu. Et puis vous allez les voir en disant, tu es chrétien, tu dois agir différemment. Vous commettez une erreur en faisant cela. Vous devez les interpeller de cette façon. Tu as fait une profession de foi pour Christ, mais chaque aspect de ta vie à ce moment indique que cette profession de foi en Christ était fausse. Tu es toujours dans ton péché et si tu meurs, tu iras en enfer. Maintenant, rends ton appel et ton élection certaine, repens-toi et viens à Jésus. Vous avez vu à quel point notre chrétienté est devenue superficielle? Oh, mes chers amis, ces choses ne devraient pas être ainsi, mais elles le sont. Réveillez-vous au véritable évangile, pas la version réduite. C'est un évangile de grâce, un évangile de puissance
Et celui qui commence une bonne œuvre l'achève. Prions. Père. Oh Père. Tant de paroles. Il y a tant à dire, Père. J'ai bien peur que parfois je ne te fasse pas confiance. J'essaye de tout enseigner de fond en comble. Mais prends cela, Père, et utilise-le dans la vie des hommes, des femmes et des enfants, pour ta gloire et leur bien. Dans son nom, Amen.